Je peux vous parler des relations entre conscient et subconscient. C'est un petit peu une façon de parler de l'entente avec soi-même. Parce que parfois, il y a des rapports conflictuels entre nous et notre corps. Quand nous nous maltraitons, par exemple, quand nous mangeons des choses qui ne sont pas recommandées. Je ne parle même pas des gens qui se droguent ou qui sont alcoolique ou qui ne dorment pas assez. Enfin, je veux dire par là que le conscient est en dialogue, est en dialectique, est en tension avec le corps, avec le corps, et le corps est en partie subconscient. Ce que nous appelons le subconscient, la subconscience, c'est en grande partie ce qu'on appelle le corps. Et ce qu'on appelle l'esprit, ce serait plutôt le conscient. Et c'est très important, en ce qui me concerne, de veiller à un dialogue et une entente, une bonne entente, entre le conscient et le subconscient. Et d'être à l'écoute, le conscient d'être à l'écoute du subconscient. Et le subconscient doit être au service, quelque part, du conscient. Alors, ce qui fait partie également du subconscient, c'est tout notre environnement technologique, quelque part. Parce que finalement, un téléphone, c'est un prolongement du corps, c'est un autre, il y a des automatismes, et en quelque sorte, ils sont presque intégrés dans notre corps, et alors, probablement assez rapidement, on va nous mettre des puces dans la tête, etc. Bon. Donc, ça englobe tout cela. Et donc là encore, cette question de la cohabitation, de la coexistence, entre le corps et l'esprit, entre la machine et le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, tout cela est très important. Et on n'entre pas ici dans les discussions de type psychanalytique. Donc, il y a des exemples comme cela où il faut donner un coup de pouce au corps. Ou quand une machine ne marche pas, eh ben, il faut la remplacer par autre chose. L'exemple même, par exemple, c'est que si l'ascension ne marche pas, eh bien on prend l'escalier. Donc là, pour prendre l'escalier, il faut quand même le décider. Donc quelque part, c'est moi qui décide de prendre mes jambes à mon cou, si on peut dire, et de marcher. Donc là, je relais mon corps, pas le corps physique, mais le corps technique, je le relais quand il y a une déficience, je trouve une solution de remplacement. Même que si l'autobus n'arrive pas, eh bien on va marcher. Nous en sommes quand même là, non, on n'en est pas encore à être complètement désemparés si notre corps ne fonctionne pas, et en tout cas si nos automatismes technologiques sont en panne. Donc on est quand même dans un espèce d'équilibre entre ces deux plans, heureusement. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, imaginons par exemple que vous ayez un évier qui fuit, par exemple. Bon, à ce moment-là, il va falloir vous compliquer un peu la vie. Dans un certain temps, il va falloir mettre un seau, je ne sais pas quoi. Il va falloir relayer le dysfonctionnement de votre corps au sens large qu'on vient de définir, le corps avec son prolongement. Et donc là, vous allez avoir le conscient qui va prendre le relais du subconscient. De la même façon, par exemple, que lorsqu'on est malade, eh bien, il faut prendre l'initiative d'aller voir le médecin ou d'aller prendre un médicament et de ne pas forcément laisser le corps à lui-même, bien qu'il soit capable, jusqu'à un certain point, de résoudre une grande partie de ses problèmes, à la différence de la machine. Et si on est blessé à la main, par exemple, on peut mettre de l'alcool, ce qui est une intervention du conscient, ou bien on peut laisser les choses telles quelles en disant « Oui, ça va cautériser, ça va cicatriser tout seul. » Et même à la limite, si on s'est foulé la cheville, on n'a qu'à attendre que ça se rétablisse. Ou alors on intervient. Seulement, on intervient, faut-il ou non intervenir lorsque quelque chose se détraque. Alors évidemment, quand une machine se détraque, on va intervenir. Donc là, il va y avoir le conscient qui va venir au secours de la machine. Et quand notre corps physique se détraque, il faut également intervenir, mais ce n'est pas aussi simple que ça, puisque dans le cas de notre corps physique, quelque part, il a une fonction de réparation, d'autoréparation,
que n'a pas encore, en tout cas, la machine. Et dans bien des cas comme ça, il faut une sorte de coexistence pacifique entre le corps et l'esprit. Et puis alors, il y a un autre aspect des choses qui est important aussi, c'est de ne pas brimer le corps, l'esprit, et en fin de compte, le corps aussi, parce qu'en fin de compte, notre cerveau, c'est aussi notre corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cerveau qui sont de l'ordre du subconscient. Donc, il faut aussi laisser le subconscient fonctionner à plein régime et ne pas constamment interférer. Par exemple, si nous devons réfléchir, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut avoir les conditions pour réfléchir et ne pas être constamment à écouter la radio, la télévision, le cinéma, etc. Voyez-vous ? Donc ça peut aussi perturber le corps. Et perturber le corps au niveau de la réflexion intellectuelle, de l'action mentale, ne serait-ce que parce qu'on écouter les gens parler autour de vous ou subir la parole des autres, ça peut aussi nuire à votre corps, être toxique pour votre corps. Et là, le corps, j'entends ici vraiment la partie supérieure du corps, celle qui est liée à notre processus de réflexion qui n'est aucunement uniquement conscient, bien évidemment. On dit souvent d'ailleurs qu'il y a des idées qui viennent pendant le sommeil, etc. Donc moi-même, je suis très à l'écoute de mes cogitation lorsque je me réveille, ou même je reste pendant un certain temps couché pour réfléchir dans le silence. Le silence est une qualité fondamentale, en tout cas pour les hommes, peut-être pas de la même façon pour les femmes, c'est un autre sujet, mais il faut aussi ne pas dire les mêmes choses dans les deux cas. Les rapports entre le corps et l'esprit chez l'homme et chez la femme ne sont pas forcément identiques, loin de là. Et donc, effectivement, il y a les gens qui ont une certaine réussite dans leurs activités, sont des gens qui savent harmoniser les rapports entre le corps et l'esprit. Voilà ce que je veux dire.